La chronique gaming de Joe Vidéo. Pendant ce temps, au laboratoire du docteur Zoubirou. Bonsoir. Laissez-moi vous parler de Charles Darwin. Ce biologiste anglais du 19e siècle est à l'origine de la théorie de l'évolution, selon laquelle seuls les individus les mieux adaptés à la lutte pour la vie sont capables de survivre. Cette théorie... Docteur, il y a Jean-Marc qui l'a encore fait pipi dans mes éprouvettes. Oui, eh bien vous lui dites de les désinfecter avec un coton-tige. J'ai entendu Jean-Marc ce qu'il a dit le docteur. Pardonnez-moi cette interruption. La théorie de l'évolution, disais-je, a elle-même évolué et inspiré d'autres domaines. Le cinéma, la littérature, les jeux vidéo, avec l'exemple récent du jeu Evolve. Exemple un peu agressif, ma foi, mais pertinent tout de même. Afin de vous familiariser avec cette théorie, j'ai développé un petit traité sur l'évolution en 54 points que je vais à présent énoncer. Premier point... Oh, la ferme, Dr. Casburn. Salut, c'est Joe Vidéo. Ce soir, on parle de Evolve, un jeu de chez 2K qui sort ces jours-ci sur PS4, Xbox One et PC. Dans Evolve, les objectifs sont simples. Ça tombe bien parce que je suis pas super fut-fut. Soit vous incarnez un membre d'une unité de 4 chasseurs, soit vous incarnez un monstre. Les chasseurs doivent traquer et tuer le monstre doit se planquer, évoluer, puis buter les chasseurs, ou tout péter autour de lui, ou les deux. Je vais tout péter, putain ! Si vous êtes chasseur, vous choisissez entre 3 classes différentes. En gros, soit vous traquez, soit vous soignez, soit vous piégez, soit vous bourrinez. S'il peut saigner, on peut le tuer. Et vous partez sur les traces du joueur qui a choisi d'incarner le monstre, essayant de le débusquer avant qu'il ne devienne beaucoup trop puissant, attention! Je vais vous péter les dents, putain! Si vous êtes le monstre, vous pouvez choisir entre 3 types de monstres différents, vous devez vous nourrir de la faune locale pour faire évoluer votre bête avant que les chasseurs ne vous trouvent. Il existe 3 stades d'évolution. En gros, au stade 1, vous êtes vulnérable, vous êtes presque une petite fiotte tout juste bonne à bouffer des petits herbivores. Stade 2... C'est déjà plus sérieux. Et au stade 3, alors là, là, non mais là, Michel, au stade 3, c'est fou quoi. T'es le boss de fin, t'es le chef du game. Je vais vous faire bouffer mon doigt de pied, putain! Ah oui, par contre, faut le savoir, Evolve est un jeu dont vous ne profiterez à fond que si vous avez des potes pour jouer à 5 en réseau. Hein, en solo, vous risquez de vous faire chier. Mais si on n'a pas d'amis, on fait comment? Ah bah ça, Michel, si on n'a pas d'amis, on va jouer à Tetris, ok? Sous ces airs de FPS un petit peu bas du front, Evolve vous demandera de la stratégie et de la cohésion si vous êtes chasseur, du sang-froid et de la réflexion si vous êtes le monstre. Avec ces deux types de gameplay bien distincts, ces chasseurs au look badass et ces monstres à tomber par terre, Evolve est beau, nerveux et vraiment marrant à plusieurs. Il occupera vos soirées en moins de temps qu'il n'en faut pour dire. Le chasseur tend la tasse à sa sœur qui tire la chasse. Le chasseur tend la tasse à sa sœur qui tire la chasse. Le chasseur tend la tasse à sa sœur qui tire la chasse. Tu ne peux plus me battre au jeu de la prononciation rapide. Evolve est dispo sur PS4, Xbox One et PC. C'est édité par 2K et on le doit au studio Turtle Rock, créateur du déjà très culte Left 4 Dead. C'est vraiment cool, alors appelle tes potes, dis-leur que samedi soir c'est pizza et chasse aux monstres à la maison. Bon gaming et à la semaine pro, champion. Je vais vous bousiller la gueule, putain. C'est moi le monstre. Ouah, je suis au stade 3. La chronique gaming de Joe Vidéo.